Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis à Montluçon sur le boulevard de Courtais. Et certains disent que le boulevard de Courtais se déserte. Eh bien, vous allez voir que c'est le contraire, je vais vous le prouver. On a un nouveau lieu de festivité. Et vous connaissiez tous le Delirium. Et bien maintenant, ça sera le Kippa Cabana. Allez, on y va. Le Kippa Cabana. Alors ici, il s'appelle le Kippa Cabana. Bon, Kippa. La Kippa. Et Cabana, c'est la fête. En fait, il faut avoir le... C'était à l'époque, dans le film Coco. C'était la Kippa Cabana. Je sais pas si t'as le truc. Non. Et ben en fait, c'est pour ça que j'ai récupéré le nom. En fait, c'était sympa. Tu vois. Alors, qu'est-ce que ça va être le Kippa Cabana? Explique-nous. Alors, c'est petit bar de nuit. Donc, comme à l'époque du Delirium, 17h, 1h. Ok, du mardi au samedi, exactement tout pareil, sauf que c'est pas le Delirium, ça sera pas, il y aura pas des grosses soirées, c'est plus années 80, un peu tranquille. On a des cocktails que des créations qu'on a fait avec la maison Mona à Bourges. On a des tapas israéliennes et puis après des alcools, beaucoup de haut de gamme aussi, beaucoup d'alcool haut de gamme. Donc voilà, un petit truc un peu tranquille parce que on a plus 20 ans, tu vois. Alors, on m'a posé la question. Est-ce que ça va être la fête comme au Delirium? Un petit peu. Alors, je vais pas te dire que des fois ça va pas me démanger. Donc il se peut que t'es longtemps un samedi soir, ça parte en live. Mais c'est pas le but, vraiment. Là c'est le petit bar un peu tranquille où tu passes après le boulot, tu manges un petit truc, tu bois un petit verre tranquille. Et voilà, tu vois. J'ai passé l'âge, j'en peux plus, je suis fatiguée. Donc je veux un truc pépère. Parce que là, derrière nous, le pont, on est fermé. Ouais. Donc, tu pourrais faire une soirée mousse jusqu'au pont. Alors, je pense qu'on va s'abstenir d'aller glisser sur ce sujet. Dom, sinon, je vais fermer demain. Arrête, s'il te plaît. Il n'y aura pas de soirée mousse au Delirium, il n'y en a plus. Il n'y aura pas de soirée mousse au Delirium. Il n'y aura même plus de soirée comme je faisais au Delirium. Les seules soirées qu'il y aura, ça sera par rapport aux fêtes juives, du coup. Voilà, quand il y aura une fête juive, on va faire une soirée spéciale, cette fête-là, à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors rassure-moi, c'est ouvert aux chrétiens, aux musulmans, à tout le monde. Évidemment, bien sûr. Le but, c'est de faire connaître les produits juifs. Et il n'y en a pas à Montluçon, donc j'ai tapé ce créneau, en fait. Voilà. D'accord. Alors donc, on va retrouver de la cuisine de spécialité juive qu'on ne connaît pas. Donne-nous les exemples, par exemple. T'as les falafels, c'est la base. Donc c'est des petites boulettes de pois chiches, il y a une sauce avec, une petite salade israélienne, un pain pita et tout ça, ça te fait une tapas. C'est servi sur plateau, tu vas voir, c'est super sympa. T'as les oignons pakora, t'as le chouchouka, t'as plein de spécialités qu'on vous fait sur plateau. Voilà. Bon. Voilà, ça y est, je suis au Kippa Cabana. Oh comment c'est joli. Alors, je vous rappelle qu'avant c'était le circuit. Le circuit a dérapé dans le Kippa. Dans la Kippa, pardon. Non, le Kippa. On va faire le Kippa, parce que la Kippa, après, ça fait trop dans le dur, tu vois. Donc, le Kippa Cabana, c'est bien. Donc là, t'as toute la déco Kippa Cabana. Au fond, là-bas, t'as la cuisine. J'ai des toilettes Instagrammables, il faut le savoir. C'est quoi, ça? C'est Instagrammable, ça veut dire qu'ils sont tellement beaux que tous les gens, ils vont faire des snaps dans mes toilettes. Des toilettes en or, je vous dis, moi, messieurs, dames. Alors, il faut faire des pipis, des paillettes, sinon t'as pas le droit d'y aller, d'accord? Il faut faire pipi les paillettes. D'accord. Et c'est gratuit, non? Non, oui, bien sûr, évidemment. Bon, je vais appeler Kevin. Alors, on a un beau bar, là. C'est génial. Hein. Ça te plaît? Ouais. On a bossé. Hein. C'est vrai qu'on a mis un peu de retard sur l'ouverture. On a 15 jours, 3 semaines de retard, d'ailleurs. Mais on a bossé. Franchement, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est super sympa. Oh, bah déjà, ça nous plaît, les couleurs. Bonjour, ça va? Ça se passe bien? C'est prêt? Ouais, c'est ça. C'est un peu petit, non? Tu trouves? Eh ben écoute, c'est plus grand que le Delirium déjà. Ouais, déjà, ouais. Hein, pour commencer. Et puis c'est bien les petits trucs, ça fait c'est cocooning, c'est, tu vois. C'est très bien. Ça me va, moi. On va rappeler que le bar est ouvert en fin de semaine. Exactement. Toute la semaine, du mardi au samedi, de 17h à 1h. À part demain, parce qu'aujourd'hui, il y a l'inauguration, donc on reprend jeudi. Et le dimanche, fermé? Ah oui, bien sûr, dimanche... Rien c'est pas Shabbat, c'est vendredi, le Shabbat, normalement, mais dimanche, non, on travaille pas. Eh ben, tu fais Shabbat le vendredi, puis tu ouvres le dimanche. J'y ai pensé, mais je suis pas sûr que ça marche. Ouverture au public, jeudi, 17h, Kippa Cabana. Allez, salut à tous.